Bonjour, je suis David Bédia, je suis originaire d'Akredo-Ladé, c'est dans le département de Lakota, précisément la sous-préfecture de Bodoko. Je suis journaliste et promoteur de la web TV dénommée Canal Ivoire. Nous sommes disponibles sur YouTube et Facebook pour tous ceux qui voudraient nous contacter. Ma spécialité, c'est société et culture. Mais bon, j'interviens aussi en politique parce qu'il faut dire que j'ai commencé un peu les médias avec la politique. Je n'avais jamais rêvé de devenir journaliste. Moi, mon métier, c'était de devenir pilote. L'armée de l'air me plaisait beaucoup. Après mon bac D obtenu ici même à Divo, au lycée moderne, je suis allé à Abidjan. La vie était tellement difficile. J'ai fait le BTS en électronique. Comme on dit chez nous, j'ai pas eu le temps. Mon ambition de devenir pilote était en train de me lâcher. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer autre chose? Et j'avais remarqué quand même quelques talents en communication chez moi. Et c'est comme ça que je suis entré en communication. Après le BTS en communication, j'ai travaillé dans des entreprises de marketing commercial et après j'ai fait mon entrée dans la presse bénévole avec une web radio qu'on appelait à l'époque la Voix de la Résistance africaine. C'était juste après la crise post-électorale en 2011. 2011-2012, et donc là, c'était une façon pour nous de pouvoir continuer le combat de la souveraineté qui avait été lancée à l'époque par ceux qui étaient au pouvoir, et puis aussi donner un peu d'espoir à tous ceux qui étaient en exil. Mais j'ai commencé la presse à proprement parler en 2014, dans un organe officiel qui est le Quotidien d'Abidjan, par le biais d'un parent qui était journaliste et qui était correcteur là-bas. Donc, je suis entré là-bas. Il s'agit bien sûr, c'est bon, certains que le connaissent, il s'appelle Toti Nagy. J'ai fait 2 ans au côté d'Abidjan. Je suis entré en tant que stagiaire et puis voilà, 2 ans après, voilà, je me suis retrouvé sans emploi. J'étais là, je ne faisais plus rien. On était en 2016. Mais la passion que j'ai acquise dans ce travail m'a poussé à créer un blog que j'avais appelé à l'époque Lapide Afrique. Donc c'était mon petit truc que je prenais pour pouvoir déjà écrire, parce que chaque fois il fallait relayer les informations pour permettre aux internautes d'être au cœur de l'actualité. Donc j'avais commencé à écrire sur Lapide Afrique. Mais déjà, depuis le côté navigant, j'avais déjà créé Canal Ivoire en 2015. J'avais créé Canal Ivoire parce que pour moi, le journalisme, c'était surtout l'audiovisuel. Donc, j'utilisais souvent mes écrits du côté de navigant. Je faisais des retranscriptions audio et puis voilà, je publiais sur YouTube. À l'époque, ce n'était pas très bien connu, mais bon, on le faisait. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que ces publications avaient une audience. Les publications avaient une audience. Et voilà, beaucoup de personnes nous suivaient, commentaient nos publications, tout ça. Et puis voilà, ça nous a agréablement surpris. C'était vraiment bien. En 2019, j'ai été contacté par le directeur de publication de Juste Info pour collaborer avec lui dans son média. Donc, je suis arrivé, j'ai créé Juste Info TV qui est là encore, qui continue de fonctionner. Et puis voilà, j'ai même animé des rubriques sur cette chaîne-là pendant au moins 2 ans. Début 2021, j'ai décidé de quitter Juste Info pour me consacrer à Canal Ivoire, voilà, qui était quand même mon bébé. Donc il fallait quand même que je revienne
pour me consacrer à ce que j'avais créé. C'est vrai que je me sentais bien aussi à Juste Info, mais j'avais besoin vraiment de me concentrer sur Canal Ivoire pour voir ce que ça allait donner. Il faut dire que Canal Ivoire est un média d'information générale. À Canal Ivoire, on fait la politique, on fait la société, on fait la culture, on fait le sport, on fait tout, tout et tout. Voilà. Il n'y a pas de limite, tout passe. Vu que ça n'enfreint pas aux règles d'éthique et de la déontologie de la presse. C'est vrai que Canal Ivoire est un média d'information générale, mais vous allez trouver plus de contenu de culture sur Canal Ivoire que d'autres. Voilà, plus de contenu de culture. Voilà, parce que moi particulièrement, je suis un passionné de la culture. Comment faire valoir la culture africaine? Parce que pour moi, l'Afrique n'est rien sans sa culture. L'Afrique n'est rien sans sa culture. Nous parlons la langue des autres, nous écrivons avec les écrits des autres. Voilà, tout est pour autres. On s'habille avec les habits des autres, on se lave avec le savon des autres. Mais et nous, qu'est-ce que nous savons? Donc je pense que si nous retournons aux valeurs culturelles, nous serons nous-mêmes. Sur Canal Ivoire, vous pouvez trouver beaucoup de productions culturelles comme le Popo Carnaval, comme l'Abodan Festival. C'est un festival qui se tient dans l'Indénie du Ablin, précisément à Djangobo, dans un village que j'aime bien. Et il y a aussi le Festiwem, le festival Ouai de Makori. Voilà ce qui fait la promotion de la culturalité ouais, de Olivier Hiro. Et puis il y a aussi, je n'ai pas manqué de le dire, la culture de chez moi, le Djaka Festival, que nous éprouvons vraiment le plaisir de pouvoir promouvoir. Alors je ne vais pas finir sans faire un coucou aux promoteurs de Djaka Festival, Alexandre Drama. C'est très très important, cher grand frère, cher tonton, merci. Merci de promouvoir la culture de chez toi, la culture de chez nous. Godier, Neyo, Dida, Abidjan, c'est très important. Nous avons des richesses culturelles que personne ne valorise, n'a valorisé jusqu'alors. Vous voyez, il y a tellement d'histoires, même les histoires. On nous parle de la Reine Abla, beaucoup, c'est une très belle histoire, des Akans, mais nous avons aussi nos histoires. Qui connaît l'histoire du Tata Kenno à Zozo les Ziboué? Personne, même des enfants de Zozo ne savent même pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous savez que pendant la colonisation, les colons ont pris des résistants Dida, qu'ils ont mis dans une église, ils ont mis en prison, ils ont emprisonné dans une église et qu'ils ont incendié l'église. Ça s'est passé à Kokiri. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ça, c'est des choses que les jeunes Dida ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que personne n'a mis ça à l'écrit. Personne n'a pu faire un documentaire pour présenter ces choses-là à nos parents, à nos enfants. Et si demain on n'y est pas, tout se perd. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de Tata Kenno. Je suis en train de voir pour l'année prochaine de Djaka. Je vais présenter l'histoire de Tata Kenno. Ça, c'est une promesse que je fais. Et je prie que Dieu me donne les moyens, les forces spirituelles et les forces matérielles de pouvoir réaliser ce documentaire. Parce que c'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle qui existe. Mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas véritablement cette connaissance de cette histoire. C'est un patrimoine qu'il faut chercher à les découvrir. Et si nous ne cherchons pas à connaître notre culture, nous sommes perdus. L'Afrique a perdu tout dans la colonisation. L'Afrique a tout perdu dans la colonisation. Aujourd'hui, à travers Djaka Festival, c'est vrai, on danse, mais il y a beaucoup de choses à promouvoir. Beaucoup de choses à promouvoir. Nos enfants même ne parlent pas leur langue. Combien sont ceux qui parlent le Godier? Combien sont ceux qui parlent le Dida? Combien sont ceux qui parlent le Néo? Vous allez voir, même quand ils parlent, c'est approximativement.
Oh, moi, quand j'étais au festival, ouais, mais les animateurs même du festival, ouais, parlent le ouais, ils parlent le ouéon, le ouéon, le ouéon, parle. L'animateur, il prend du temps, il parle, sans mettre un seul mot en français. Ça, c'est quelque chose à préciser. Il faut que nous aussi on arrive là. Les Akans, sur ce plan, ils sont devant nous, et ça, moi, je vous tiens, je leur tire le chapeau, ils sont devant nous, parce que beaucoup d'histoires des Akans sont des. Les livres, nous, où se trouve notre histoire. Merci.